Salut Internet, c'est Kamoff, en chair et en off. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon poteau Fabio. Fabio, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos et aujourd'hui, vous le revoyez. Il est acrobate, il saute des calanques, il fait des trucs, il saute sur des falaises à plus de 25 mètres de haut, il fait des plats sur Internet. Il a son Instagram qui a plus d'un million d'abonnés. Son Instagram s'affiche en bas, n'hésitez pas à le rajouter et aujourd'hui, on va faire la vidéo avec lui. Donc aujourd'hui, les gars, il y a un homme qui nous a contacté tout à l'heure sur Facebook, nous disant qu'il y avait des animaux abandonnés qui sont dans une poubelle. Donc apparemment, le mec, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas allé. Bon, il m'a dit qu'il travaillait, qu'il n'avait pas le temps d'y aller. Mais il nous a confirmé qu'il a vu un homme jeter un sachet avec des animaux, donc soit des chiots, soit des chatons, dans une poubelle. Donc les gars, on va pas traîner, on va pas faire une intro de 100 ans. Rajoutez le frérot sur Instagram, comme vous lui demandez s'il vous plaît, ça lui donnera de la force. Et nous, comme il pleut, on va vite prendre la voiture et on va se rendre sur les lieux, aller voir si on trouve une poubelle et si on arrive à sauver les chiots ou les chatons jetés dans la poubelle. Le but, c'est de les sortir de là et de les sauver et de les faire adopter. Bien sûr, bien entendu, hein. J'espère qu'ils sont encore vivants surtout. Donc on y va vite, on va pas perdre de temps, chaque seconde compte. C'est parti, let's go, à tout à l'heure. Bon les gars, on vient d'arriver sur les lieux. C'est assez bizarre parce que je vois aucune poubelle. On dirait qu'on est sur un terrain vague abandonné. Tu verras, il n'y a rien, il n'y a absolument que dalle. Il n'y a pas de poubelle, il y a juste un truc rouge là-bas, mais c'est un truc de chantier, pour des toilettes de chantier. Je vais essayer d'appeler le mec sur Messenger, et parce qu'il m'a contacté sur Messenger. Je vais voir ce qu'il me dit, hein, parce qu'en plus, il n'y a personne. Oui, monsieur. Oui, bonjour, je suis là où vous m'avez dit, là. Vous m'avez donné la position, mais il n'y a pas de poubelle, hein, je vois pas de poubelle, moi. Il y a un portail avec des barbelés. Ouais, je suis à côté du portail. Ouais, il y a un truc rouge, il y a des trucs pour les chantiers rouges. Ouais. Je dis pas que c'est ça. Pourquoi, ils sont là-dedans, les chats? Oui. Sûr? Sûr. Il a jeté les chats dans les toilettes, vous êtes sûr de vous? Sûr de moi. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure des poubelles, une poubelle? Vous avez compris, c'est pas ici. Donc ils sont dans les toilettes pour chantier là, c'est ça? Oui, ok, vous allez voir si on entend des cris. Vous êtes là? Non, je suis pas devant encore. Dites-moi quand vous êtes devant. Je suis en train de m'approcher là, je sais pas encore. Vous êtes dans les toilettes. Gros, cours! Come on, oui! Fabio, ça va? Fabio! Fabio, ça va? Ouais, j'ai juste sonné. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, en fait, il n'y avait pas d'animaux, frérot, c'est un piège. Tu sais pourquoi je t'ai dit cavale? Il y avait un câble, dès que j'ai vu un câble, j'ai dit c'est bizarre. Un câble de. Tu sais, genre comme la dynamite, tu vois, un câble noir. Il était où, quoi? Je sais pas, frère. Ou peut-être c'était même pas ça, c'était un truc, le mec à distance, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas. Et c'est pour ça qu'il t'a demandé trois fois au téléphone, est-ce que tu. Ouais. Je vais le rappeler. Oh, mais regardez l'état du truc. Ah, il y a de la merde tout partout. Bop. Mais gros, là, on serait dedans. Mais imagine, on est à côté. Et en fait, t'as vu quand il m'a dit vous êtes devant? Vous êtes là? Non, je suis pas devant encore. Dites-moi que vous êtes devant. C'est bizarre, t'as vu, il n'a pas répondu. Et en fait, il a attendu un peu. Et il a dit, quand il a vu que je répondais plus, il a dit ouais, ils sont dedans en train de sauver les chats. Et... Alors qu'il n'y a pas de chat, Yari. Oh, tu sais que ça c'est. Non, mais attends, tu sais que ça c'est une tentative de meurtre, ça. Non, mais viens, on se taille, frérot. Viens, on se taille. Tu sais même pas s'il n'y a pas un autre. Non, mais attends, tu sais même pas s'il y a un autre truc ou quoi ailleurs. Tu sais pas s'il n'y a pas une bombe. Vas-y, viens, on se taille. Frérot, voilà, c'est dangereux, la vérité. Je vais essayer de le rappeler, les gars. C'est incroyable ce qui vient de se passer, c'est un truc de fou. Je vais le rappeler. Allô? Vous êtes au courant de ce qui vient de se passer ou. Mais comment, au courant de quoi? Tu es sérieux là? Comment ça, je suis pas mort, le. Ah, d'accord.
Ah d'accord. Tentative de meurtre. Mais t'es qui toi en fait? T'es qui? T'es qui? T'inquiète pas, il y aura un autre moyen de prendre ton champi, t'inquiète. Donc en fait c'est quoi ton but? Tu sais que je suis même pas. Tu sais quoi le délire? Je comprends pas là. T'inquiète, tu verras par toi-même. En fait, tu essaies de me tuer là, fils de p. C'est ça que tu. T'es en train de me dire que. Tu essaies de mettre fin à ma vie là, c'est ça? À mes jours. C'est ça. T'inquiète, avec ton compte Facebook, je vais te retrouver, t'inquiète pas. Ton compte Facebook, merde. On va se retrouver très vite. Ah, on va se retrouver très vite. Bon, c'est grave, hein. C'est grave. Tu sais que c'est une tentative de meurtre là. Viens, tu es un homme. Tu sais quoi, mec, vu que tu es un homme? Viens à l'endroit où on est, viens. T'as dit que t'habites à côté. Tu es un homme, viens. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de profil et tout, c'est bon, je comprends. Mais gros, imagine. Non, mais imagine, je vois pas le cap. Ben, j'y passe. J'ai pas vu le cap, moi, j'étais de l'autre côté. Eh ouais. J'étais moi, toujours, avant de rentrer dans un endroit comme ça, toujours regarder autour. J'ai en plus le mec bizarre et tout, tu as vu, vous êtes devant. Tu penses qu'il nous voyait de là où il est? Je sais pas, frère, non, parce que si. Non, tu sais pourquoi il nous voyait pas? Parce que s'il nous aurait vu, il nous aurait pas dit, vous êtes devant, il aurait fait péter. Il aurait fait péter quand on était devant. Il a fait péter une fois qu'on était à 10 mètres, ça veut dire qu'il était côté les postes, mec. Tu lui as pas donné de. Exactement, j'ai pas dit on est devant. Donc lui, quand il a vu que je répondais plus, quand il a vu que j'ai dit, ah gros, cavale. Il a dû vite bouger, se prendre son téléphone en plus. Ouais, et le temps que. Voilà, on a cavalé, t'as compris? Je pense que c'était un truc. Bien sûr, c'est un truc à distance, c'est un truc à. Je sais pas ce que c'était, après, frérot. Déjà, si c'était de proximité, on aurait. Non, mais c'est grave, parce que le mec, si c'est où j'habite, il me fait un truc comme ça, frérot. Et il tue ta famille. Mais frérot, ou même la voiture ou quoi? On était parti pour faire une vidéo pour sauver des animaux, frérot, on se retrouve presque à mourir nous. Mec, mais ça fait combien de temps qu'il te parle? Aujourd'hui, frérot, c'est aujourd'hui qu'il m'a dit, ouais, venez vite, machin, patati. J'ai appelé le caméraman, j'ai dit vas-y, on fait une vidéo, on fait ci, on fait ça, on fait vite et tout. Il est venu, le pauvre, sous la pluie et tout, à l'heure il pleuvait. Il avait l'air sincère, le mec. Ben, il avait l'air, mais tu vois bien que non, au final. Ça veut rien dire, l'air. Il a l'air, mais il a pas la chanson. Eh, toi qui regardes cette vidéo, parce que je sais, à un moment donné, tu vas la voir, parce que tu me connais. Si tu fais ça, c'est que tu me connais. Donc, quand tu vas voir cette vidéo, je te fais une promesse, hein. C'est que je vais te retrouver, dans tous les cas, par n'importe quel moyen, je vais te retrouver, je vais te repayer ce que tu as fait. Oh!